Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo dans laquelle je vais vous révéler, attention, gros spoiler, tout le combat final du jeu Horizon Zero Dawn ainsi que toutes les cinématiques finales. Donc ceci est un petit avertissement si vous ne souhaitez absolument pas être spoilé, je vous invite à quitter directement cette vidéo et pour tous les autres, eh bien, je vous souhaite un bon visionnage et on commence bien évidemment par une magnifique cinématique. Comment pouvais-tu dormir, Elisabeth, avec cette pression sur tes épaules? Et toi, Rost, après avoir perdu ta famille? Silence? Tu es là? Pourquoi je demande conseil à un fantôme? Madame, il y a des signaux à l'ouest. Le roi Soleil Avad vous attend au Temple du Soleil. Serait-ce des feux de camp? Ceux des forces qui se préparent à entamer leur marche vers la ville? Ce n'est pas ce genre de fumée. Qu'est-ce que c'est? C'est la fin. Ou tout du moins son commencement. Mort dont tu as parlé. Au canon! Au canon! Maintenant! Par le soleil, faites ce qu'elle vous dit! On attend vos ordres! Attention! Préparez-vous à tirer! Est-ce que les canons vont suffire? On va pas tarder à le savoir. Et envoyez vite des renforts. Aloy, non! On a besoin de ces canons! Mais tu vas te faire massacrer! Ça, je demande à voir! Donc c'est parti, le combat final commence. Vous vous retrouvez projeté en plein dans l'arène. Pas le temps de décider, pas le temps de choisir. C'est la raison pour laquelle il valait mieux être bien stuffé auparavant. Donc vous allez directement affronter votre premier ennemi. Le combat se déroulera en 3 séquences. Donc vous êtes sur la première séquence dans cette zone en haut de la tour et vous allez affronter votre ennemi humain. Donc pour l'instant pas de machine, donc c'est relativement simple, surtout si comme moi bien évidemment vous avez eu le temps de récupérer la super armure ultra cheatée du jeu. D'ailleurs je vous la conseille, ça facilite vraiment énormément le combat final, sauf si bien évidemment vous aimez les challenges, les défis et que vous souhaitez vraiment pimenter votre combat final, puisque outre le fait de le faciliter grandement, ça va même carrément le cheater, je vous dirais, puisque là vous ne recevez plus les dégâts de feu, vos dégâts en coup critique sont quasiment diminués de moitié, donc c'est vrai que cette armure elle est over cheatée et ça vous gâchera peut-être un peu le combat final si vous l'avez pris tout comme moi avant d'accéder à ce combat.
Donc ça, c'était pour l'armure. Donc vous l'avez vu, la séquence finale se déroule dans cette zone. Et pour pouvoir battre ce boss plus facilement, je vous conseille de tirer sur les tonneaux explosifs à l'aide de votre arc de feu. Bon sang. Encore manqué. Écrit ainsi. Rien de tout ça n'était écrit. C'est toi qui l'as décidé. Tu as suivi les ordres massacrés des foules. Et pourquoi ? Mourir à genoux, manipulé comme un pion par une puissance qui te dépasse. Tu as pitié de moi ? Regarde le soleil en face. C'est donc éliminé, vous venez de terminer la première phase du combat. N'oubliez pas de récupérer sur le personnage, bien évidemment, tout le stuff assez intéressant qu'il a à vous proposer. Et puis vous allez pouvoir rejoindre la deuxième séquence de combat qui, elle, va se dérouler directement en extérieur et cette fois-ci contre des machines beaucoup plus puissantes. Oui, sur le canon. Sur les tasse-pas.
de ce combat dans la crête à l'aide de vos canons d'Oseram, vous verrez qu'il y aura un petit temps de répit. Profitez-en si vous n'avez pas tout comme moi l'armure pour pouvoir vous restuffer, recharger à fond votre santé, vos munitions. C'est très important puisque vous allez avoir une deuxième vague de machines, cette fois-ci beaucoup plus puissante avec des machines volantes qui vont vous tomber dessus. Levez vos armes ! À l'ouest ! Thank you.
Ah. Aloy ? Aloy ? Aloy ? Teb. Parle à toute mère, tu es en vie. J'ai bien cru que c'était la fin. Les autres, ils sont... Non ! Non ! Blessés, mais en vie pour la plupart. Les machines ont tout mis à sac, mais elles se sont pas arrêtées. Elles sont parties vers la flèche tout en traînant leur triste trophée. Veille sur les autres, s'il te plaît. Il faut que j'y aille. Après cette sublime cinématique, vous voilà de nouveau sur pied. Vous allez donc devoir suivre le chemin de la destruction jusqu'à rejoindre la flèche afin d'éliminer Hadès. Ce sera donc votre combat final. Alors pour ce faire sur la route, vous allez avoir bien évidemment plein d'obstacles. Le décor qui s'effondre, qui s'enflamme totalement, mais aussi des ennemis, des machines qui vont tenter de vous attaquer. Donc deux options, soit comme moi, vous éliminez quelques machines sur votre route, soit vous choisissez de tracer votre route. Bien évidemment, il n'y a pas de timer, vous faites donc comme vous voulez et vous pouvez rejoindre directement la zone de la flèche afin d'affronter Hadès, votre troisième et dernier combat. Commencer. Hadès lance la transmission. Il a dû franchir les défenses. Une aura. L'avant-garde des Rennes. Il faut que j'arrive là-haut. Pas.
À l'œil. Ils sont vivants. C'est à l'œil. Enfin, vous avez vu. On croyait que t'avais péri à la crête. Non, c'est elle qui m'est tombée dessus. Bon, on n'a pas de temps à perdre. Je dois affronter Hadès. Pas toute seule. Pas le choix. Je ne peux pas vous demander de venir. On allait monter de toute façon, hein? Bien sûr. Le démon de métal doit mourir. Je ferais mieux de faire des réserves. Vous êtes donc arrivé tout en haut de la flèche et la bonne nouvelle, il y a des collègues pour vous prêter main forte, ça fait vraiment plaisir, vous allez avoir du soutien au cours de ce combat final et je pense que vous en aurez besoin, surtout si vous êtes stuffé un peu de façon légère, puisque là vous allez avoir l'assaut d'une grosse machine, mais aussi l'assaut de plein de petites machines autour de vous, donc il va falloir être réactif. Mon conseil pour ce combat final, n'hésitez pas lorsque les petites machines spawn, elles vont arriver par vague, à laisser de côté la grosse machine afin d'éliminer complètement toutes les machines qui vont vous sauter dessus, sinon vous allez vous faire complètement déborder. Donc la grosse machine, quant à elle, est bien sensible aux dégâts de feu, donc n'hésitez pas à la mettre en état de brûlure, puis à viser à l'aide de votre arc ses points vitaux, afin de pouvoir en venir à bout beaucoup plus facilement. L'intervention de l'entité a été anticipée. L'entité n'interrompra pas la transmission. Au contraire, les calculs sont parfaitement exacts. La présence de l'entité a bien été prise en compte.
on est bon. Intensifier l'attaque. L'ennemi te poursuit, Aloy. On a le temps de repousser les machines. Intensifier l'attaque. Tiens, voilà, elle t'arrive. C'est incroyable, cette Thank you.
On est bon. Vous êtes donc parvenu à mettre à terre le porte-mort. C'était un combat assez musclé, bien joué à vous, et du coup vous allez pouvoir désactiver Hadès une bonne fois pour toutes. Donc avant de vous rendre dans cette grosse boule métallique afin de la désactiver, je vous recommande fortement de récupérer tout ce qu'il y a à récupérer aux alentours puisque vous ne pourrez pas revenir sur cette scène. Et quant à moi, je vous laisse sur cette magnifique cinématique de fin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, à me faire part de votre point de vue dans les commentaires. Ça me ferait plaisir d'avoir votre retour sur ce jeu Horizon Zero Dawn. D'ici là, portez-vous bien, geekez bien et à très bientôt tout le monde. Système de sécurité en place. Pour l'activer, précisez nom et grade. Elisabeth Sobek. Grade Alpha. Système de sécurité activé. Protocole d'extinction en marche. Oui, vraiment désolée, Gaïa. Qu'est-ce que je disais? Vous racontiez une histoire. Ah oui, alors... comme je disais... C'était un kit d'électronique pour enfants, mais je l'avais relié à une batterie de voiture et à un système photovoltaïque. Et résultat, le gazon a pris feu. Mais pas que le gazon, un grand pin aussi, qui était à côté. Il devait avoir dans les... 100 ans, au moins. Question. Quel âge aviez-vous? 6 ans. Ma mère était à la maison, heureusement. Elle a tout de suite appelé les pompiers. Et après, elle m'a emmenée dans le jardin pour me montrer tous les oisillons morts. Parce qu'il y avait plusieurs nids dans ce grand pin. Qu'est-ce
Question. Qu'avez-vous ressenti? Je sais pas trop. Mais je me souviens avoir dit que je m'en fichais. Quand ma mère a entendu ça, je me souviens qu'elle a pris mon visage dans ses mains et qu'elle a parlé. Question. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que c'était très important. Elle a dit... Elisabeth, à quoi bon être intelligente si tu ne te sers pas de ton intelligence pour rendre le monde meilleur? Tu dois utiliser la tienne pour faire avancer le monde. Pour la vie, pas pour la mort. Vous parlez très souvent de votre mère, mais vous n'avez pas d'enfant. Je n'ai jamais eu le temps. C'est sûrement mieux comme ça. Si vous aviez eu un enfant, Elisabeth, comment auriez-vous voulu qu'il soit ou qu'elle soit? Eh bien, j'aurais sûrement aimé qu'elle soit... curieuse. Et déterminée, fonceuse même. Mais avec suffisamment de compassion pour vouloir aider les autres. Juste un petit peu. Ça ira pour aujourd'hui, Gaïa. Je vais me coucher. Je vous souhaite une bonne nuit, Elisabeth. Merci. Nous reprendrons demain. Bonjour, mon vieil ami. Tu te souviens de moi? On a encore tellement de choses à se dire, toi et moi. Je veux tout savoir. Qui sont tes maîtres, pour commencer? Ceux qui ont envoyé le signal qui t'a réveillé? Le savoir demande récompense, tu ne crois pas? Allez, commençons.